Nancy 17e accueille le Paris FC 6e. Les Nancéens restent sur 3 matchs nuls et sur une série de 5 matchs sans défaite, une victoire et 4 nuls. Un petit peu trop de matchs nuls donc. Il faudrait convertir ça en victoire pour s'éloigner de la zone rouge. Les Nancéens sont juste au-dessus au classement. Le Paris FC de son côté a joué en semaine et sort d'une défaite 2-0 sur le terrain de Valenciennes en match en retard. Une équipe du Paris FC capable de tout, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Première possibilité du match pour Nancy avec Aurélien Scheidler dans la surface. C'est repoussé par la défense. Une bonne percée pour le joueur prêté par Dijon. La défense parisienne se replie bien pour écarter le danger. Et Nancy prend la direction des opérations dans ce match. Nouvelle possibilité pour Scheidler, ça arrive dans la surface. Et la frappe croisée est de très bonne qualité pour Michael Biron. 1-0 en faveur de Nancy dès la 14e minute. L'action de Scheidler se transforme en bonne passe pour Biron qui inscrit son 7e but de la saison. Nancy a réalisé le début de match parfait, mais le Paris FC réagit avec notamment ici Charles Boly. Magnifique conduite de balle de la part de Charles Boly pour marquer le but de l'égalisation à la 28e minute. Le joueur prêté par Lens est efficace. Il est arrivé depuis peu et marque son 2e but sous les couleurs du Paris FC. Il réussit un enchaînement technique de très grande qualité. Le match est relancé. Un but partout. C'est le score à la pause. Les Nancéens ont eu du mal à repartir de l'avant comme ils l'ont fait en début de match après l'égalisation parisienne. En seconde période, tout reste possible dans cette rencontre. Jean-Louis Garcia espère que son équipe puisse prendre les devants. Et c'est ce que s'évertue à faire les Lorrains avec notamment ce tir dans la surface. Une possibilité assez proche du but, mais manquée par Giovanni Hag. Une chance de plus sur corner. La reprise au deuxième poteau. Et c'est encore une fois manqué. Les Parisiens, eux aussi, ont leur chance de remporter le match. Le tir à bout portant sur la barre transversale. Ça fait être le but de la victoire pour le Paris FC, pour Cheikh Oumar Diakité. Il manque le cadre à un mètre du but. Incroyable opportunité de gagner le match. Nancy a donc toujours sa chance. Michael Biron ne parvient pas à frapper. Puis ce tir sauvé par Vincent de Marconnet. Une des dernières chances en faveur de Nancy pour Saliusis, entrée en cours de match. Personne ne réussit à marquer un but supplémentaire. Un but partout entre Nancy et le Paris FC.